Bonjour Christine et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Pascal et bonjour Laetitia. Merci d'être Voilà, là. Christine, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi, hein, pour ta session. Ouais, ok. Voilà, il est temps Alors, maintenant que tu vas nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Allez, on t'écoute. oui. Alors, la santé, j'ai un petit souci de valve mitrale, valve cardiaque, qui s'est aggravé pendant le Covid, parce que j'ai beaucoup porté le masque et tout ça, et en travaillant. Et du coup, on m'avait menacé d'une intervention à cœur ouvert. Bon, j'aurais dû déjà être opérée, ça va mieux avec des soins plutôt naturels, de la phyto, de l'homéo et du massage. Et ensuite, j'ai fait des allergies il y a longtemps. J'ai une scoliose qui Alors, se attends, les rétablit. allergies, tu me dis il y a longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'allergies? Priori, j'en ai plus, mais ça m'arrive quand je change de région de ressentir un petit truc qui revient. Quel type d'allergie? Voilà. Sorte de rhume des foins, le nez complètement pris. Voilà. Ok. Et sinon, une scoliose qui est apparue peu de temps après ma décision de divorce, finalement, alors que j'avais pas du tout ça auparavant. Et on a réussi à redresser un peu mon dos grâce à des massages Twina. Très intéressant d'ailleurs. J'en fais un D'accord. petit peu de publicité. Oui. Voilà. Sinon, j'avais pas d'autres problèmes majeurs. J'étais opérée d'une épaule, j'ai deux vis à l'épaule, j'ai un petit peu de matériel parce que j'avais une luxation récidivante. L'épaule Et gauche, hein? puis, ouais, l'épaule gauche. Donc en fait, souvent les soucis sont à gauche. Parce que la valve mitrale, elle est aussi à gauche. Voilà. D'accord. Alors, les Voilà. autres points, alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Comme question, si tu as fini avec la santé. Les autres points, c'est essayer de comprendre pourquoi j'ai du mal à avoir un chez moi qui est stable. Alors, je sais qu'on vit une période bizarre et donc en ayant été suspendu, voilà, ça oblige à des soucis matériels. Voilà, mais bon, quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui me poursuit sur ce plan-là? Donc, c'est pas que avoir un chez toi, en fait, c'est pourquoi tu as du mal à avoir l'argent nécessaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de, un petit peu, comme beaucoup de gens qui ont une tendance à s'éloigner de ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire à rechercher des points d'autonomie qui nous permettent de vivre sans avoir des factures exorbitantes. Voilà, donc il y a cette recherche-là qui fait partie de moi et qui impose ce passage un peu en hébergement parce qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps. Également, j'aurais voulu éclaircir un point qui est complètement différent. Par contre, j'ai eu un état de conscience modifié que je n'ai jamais appelé, en fait, qui est venu brutalement sur moi le 6 juin 2007, alors que j'étais dans mon travail à l'hôpital. En plein dans mon travail. Donc, je suis partie dans un truc complètement dingue, entourée d'or, entourée de quelque chose qui me dépasse, avec un sentiment d'amour énorme qui m'a bouleversée. Et à l'époque, j'avais pas du tout, je connaissais pas votre travail, je connaissais pas du tout ce domaine. J'ai eu l'impression que la personne qui était en face de moi m'avait envoyé ça, alors qu'en fait, ça venait de mon cerveau, probablement. Je sais pas. Donc, si vous arrivez à avoir des points Ça qui me s'est fait permettent de. spontanément ou tu as utilisé une méthode pour avoir ce que tu as? Non, j'ai été un petit peu perturbée émotionnellement la veille. Et le lendemain soir, en plein dans mon travail, je suis partie 2-3 minutes. Ça a duré 2-3 minutes, hein. C'était pas long. Mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un moment d'éternité. Bien sûr. Ouais, Et d'accord. ça aurait pu être dangereux parce que j'étais dans mon travail de santé. Donc j'étais complètement déconnectée là. Bon, on verra ce qui s'est Voilà. passé. D'accord. Voilà. Et puis un petit détail peut-être insignifiant, mais j'ai perdu un chien il y a longtemps qui s'appelait Jules. Et j'ai eu l'impression que la voiture qui l'a percuté cherchait vraiment comme à assassiner. Il y avait un comportement très bizarre sur cette voiture. Qui grimpait la côte et qui n'a jamais arrêté alors que je me suis mis en face d'elle pour dire stop, mon chien a traversé sans que je fasse attention et voilà.
et la personne ne s'est jamais retournée. J'ai trouvé cette scène très très bizarre. Je sais pas, il y avait quelque chose de très curieux. D'accord, on verra ça. Voilà. Et puis, ben, j'aimerais que si cette séance peut alléger mes mémoires cellulaires et apporter du réconfort à mon deuxième fils, qui vit des moments difficiles et qui je sais pas, il pense que son frère aurait abusé de lui sexuellement. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on a essayé de faire le point en famille. On a du mal et j'ai l'impression que en fait il y a une entité sur cet enfant, comme il y aurait une entité sur son papa. Voilà. Donc, j'ai un ami qui apparemment de temps en temps dit parvenir à enlever cette entité, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui reste et que cet enfant n'arrive pas à s'ancrer dans la réalité ici et à construire sa vie tout simplement. Alors on a eu des difficultés, mais je sais pas. Voilà, à creuser. Enfin, alors, bien sûr, on ne travaillera pas sur lui, mais il sera invité et on l'invitera à faire le travail. On lui donnera un petit coup de pouce. Hein? Oui. Alors, tu as une autre question? Il me semble que j'ai dit le principal. Parvenir à vivre de mon métier, qui est praticienne shiatsu. Ce n'est pas évident en ce moment. Voilà. Parvenir à me réaliser, en fait, c'est ça. Mais ça, c'est les conséquences d'un travail, de ce travail, si bien sûr il est bien compris, bien intégré, et s'il est complètement assumé. Hein? C'est même pas un point, si tu veux. En fait, c'est les conséquences. Quand tu es complètement aligné, et que tu as compris, et que tu as les bonnes attitudes, les choses se font naturellement, tu vois. Ou pour ce travail, ou pour d'autres idées, ou des synchronicités. Voilà, c'est ce qui se passe quand tu es complètement aligné et connecté. Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Bien, ben écoute, au niveau des invitations, qui invite-t-on, à part bien sûr tes deux enfants? Mes parents. Ils ont quel âge tes enfants en fait? 22 et 25. Ils ont fondé une famille, ils ont des compagnes? Non, pas encore. Ok. Alors, qui invite-t-on d'autre? Alors, leur père, je suppose? Oui. C'est mon ex-mari, mais voilà, nos différences se sont apaisées et je trouve qu'il a beaucoup aidé mon deuxième fils et j'ai l'impression qu'il a besoin d'aide lui aussi, d'être invité à... Père et sa famille, alors. Et sa famille. Oui, voilà. Ensuite, Kilo, tes parents sont encore là? Oui, tout à fait, mes parents. Tes deux parents, d'accord. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur aussi, oui. Donc elle est l'invité. Voilà. Et sa famille, je suppose, ils font un foyer. Oui, elle a son mari, effectivement, et deux enfants. Ok. Après, on peut dire famille en général. C'est ça. Ouais. Famille en général. Après, les amis de cœur, relations, collègues, qu'est-ce que tu vas inviter? J'ai pas pensé trop aux amis, j'ai pensé plus à la famille. Oui. C'est déjà beaucoup, je pense. Tu as des amis ou pas? Oui. Bah, par exemple, l'ami qui m'héberge là et quelqu'un Bon, on dit les amis, tous les amis auxquels tu penses. Tous les amis de cœur. Allez, voilà. Amis de cœur, d'accord. Bien. Au niveau des désincarnés, tu choisis qui? Tu as droit à deux désincarnés? Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Il semblerait que j'étais beaucoup en contact avec mon grand-père maternel, Albert Alfred. Il avait deux prénoms. Tu ne donnes pas trop les noms, hein? Ah oui. Il ne peut pas être identifié. Bon, là, c'est pas grave, c'était désincarné. Mais, donc, grand-père maternel, hein? Okay. Oui. Et ensuite? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, ma tante Colette, peut-être. Ma tante. Okay. Ouais, mais j'arrive pas. Ta tante, bon, c'est du côté de ta mère ou de ton père? Côté de ma mère. Tante maternelle, alors. Ok. Bien. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son. Il y a des animaux, en fait? Oui, j'ai deux chats dans ma chambre. J'en ai un sur moi. Ça gêne? Non, c'est pour les invités. Les deux chats. Ah oui. Et pour c'est parfait. Oui, je veux bien les inviter. Les animaux de la famille aussi.
Voilà, les deux chats, c'est très bien. Les Alors là, animaux. il faut que. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends Oui, là? Bon, là, je c'est vous un trou de la entends. famille ou pas? Là, j'ai pas compris toute la Dans phrase. la famille, est-ce qu'il y a des animaux? Oui, il y a d'autres animaux, effectivement. On les invite aussi, hein? Tous les animaux de la famille. Ok, Ok. entendu. Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. C'est parti. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. Trente-neuf mille. 39 000, tu te sens en sécurité, hors d'atteinte? Oui, je suis tranquille. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. J'ai ma ligne sur toi, bien sûr. Oui, c'est Et je te bon. laisse te connecter sur Christine. Dis-moi comment tu l'aperçois. J'ai l'impression de voir un énorme rond vide au milieu là, de sa poitrine. Enfin, ça prend. C'est vide, c'est comme si, oui, c'était vide, je pouvais passer la main à travers, en fait. Je vois pas de densité. C'est pas forcément un vortex, hein, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça prend tout à partir du cou jusqu'à son ventre, à peu près. Et c'est vide. Et c'est C'est un vide. trou. C'est C'est comme comme un un trou. trou. Exactement. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre? Du coup, je vois toujours ce trou et ça la déconnecte de tous ses corps. En fait, chaque corps est entrecoupé. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de liaison en fait entre eux. Sont séparés. Oui, peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de reliance. Je dirais que même extrasensoriel aussi. Alors par Il y contre, a au une niveau coupure, extrasensoriel, excuse-moi. c'est 10. Il y a une coupure. Ah, au niveau sens, c'est aussi au niveau sensoriel, c'est entrecoupé, comme ça, c'est Ouais. disparaître, on va dire. Et au niveau extrasensoriel, toutes les informations sont désorganisées. C'est pas clair, droit et direct. D'accord. C'est comme si il y avait une information et qu'elle se divisait en plusieurs infos. Donc c'est très complexe pour bah, au niveau intuitif ou même au niveau de compréhension. Bah, après de la manifestation dans la matière, la communication et les informations sont pas ancrées, sont pas claires, elles sont désorganisées. Enfin, c'est ce que je vois au niveau de son corps mental aussi. Il n'y a pas de liaison entre le corps émotionnel et le corps mental. Donc ça la décale. Il y a des décalages en fait de réalité. Ah ça y est. Ouais, non, au niveau du ventre, je reviens au niveau du ventre parce que j'ai vu quelque chose au niveau du ventre, mais c'est toujours les conséquences de ce trou viscéral d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien derrière. Je ne vois pas le fond du trou en fait. C'est comme si on pouvait la transpercer, comme du gruyère en fait. Elle a. Donc au niveau du ventre, il y a des désordres d'énergie. C'est-à-dire que c'est il y a différentes strates d'énergie. Donc les énergies inférieures, des membres inférieurs, sont décalées avec le reste du corps. Il n'y a pas d'ancrage en fait à ce niveau-là. Et je ne la vois pas posée sur quelque chose en plus. On aurait dit qu'elle est comme flottante dans l'air, Ok. dans une sorte de salle.
J'ai le vaisseau. Il s'agit de la partie subliminale que tu regardes là? Non, la partie subliminale est ailleurs. Elle n'est pas là. D'accord. Là, c'est les corps énergétiques. Ouais. Non, je ne vois pas la partie subliminale. Donc là, j'ai le vaisseau qui me vient, une sorte de vaisseau en forme de trapèze. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, d'ailleurs. Ouais. Avec... c'est... Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si je voyais des fils ou des tuyaux qui se raccrochent à elle. Où ça? Quelle partie du corps? Bah, c'est ça, c'est que je ne vois pas trop. J'ai vu le tuyau, mais je ne vois pas trop dans quelle partie. Ça la touche pas, là. Je vais compter à trois. Je vais compter à trois, ça va être apparent. 1, 2, 3. Tu vois toutes les terminaisons partout où les tuyaux sont branchés. Au niveau du crâne ouais. Et tout le long de la colonne vertébrale. Ok. Et ça a effet de aspiration. Ouais. Ça aspire quoi? Son énergie vitale. Ses énergies aussi adamantines. Diamantin aussi, je sais pas. Tous les corps, en fait. Et c'est ce qui crée ce vide au milieu. C'est comme un aspirateur qui aspire. D'accord. Donc, c'est ça qui a créé ce trou? Oui. D'accord. OK. Et l'énergie, elle va dans le vaisseau? Oui, elle va dans même plusieurs vaisseaux, parce que j'ai vu des petits vaisseaux en forme de trapèze. Et c'est comme si c'était plusieurs petits vaisseaux individuels, on va dire, mais ils sont deux ou trois dedans, raccrochés à elle. D'accord. Alors, qui sont les occupants de ce vaisseau, regarde, de tous ces vaisseaux? Je vois des sortes de gris, de reptiliens, mais je ne les connais pas, ceux-là. Ils sont des tout petits. Gris reptiliens? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont hybridés? Oui, exact. D'accord. Ok. Ils sont au service de quelqu'un ou ils sont à leur compte? Il y a un reptilien humanoïde dans un grand vaisseau. Donc en fait, c'est un gros vaisseau avec des petits vaisseaux individuels. Le vaisseau mère? Oui, exact. D'accord. Et les petits sont à son service, c'est ça? Oui. C'est eux qui gèrent l'énergie d'aspirer. C'est eux qui sont aux commandes. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'ils font avec elle? C'est quoi l'objectif? Elle sert de générateur. Il y a aussi une histoire de radar. J'ai entendu le terme radar, comme si elle servait de boussole. Oui. Pour être guidé sur Terre ou dans certaines dimensions. On peut la repérer, mais eux, ils peuvent être guidés par elle aussi. Mmh. D'accord. J'ai le terme recherche qui me vient. C'est-à-dire? Comme si elle allait les... Alors, eux, ils recherchaient quelque chose et elle, elle les emmenait vers ce quelque chose. En étant sur Terre, des énergies spécifiques. Tu veux dire qu'elle les emmène vers quelque chose volontairement? Bah, elle s'en rend pas compte, elle ne sait pas. Ah, mais ils se sont servis d'elle comme j'ai l'image du cheval quand on dirige un cheval. D'accord, ok. Elle est un petit peu en même temps un cheval de Troie, non? Pour s'incurser, oui. Pour s'incurser dans la 3D, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Et quand tu dis qu'elle sert de générateur, c'est-à-dire générateur pour quoi? Pour le vaisseau mère, en même temps. Ah, ok. Donc en fait, c'est son énergie qui les intéresse. Oui. Et les énergies sur Terre, oui. Oui. Dans sa physicalité. Dans ce qu'elle est, dans sa physicalité, en fait. C'est ce qu'ils veulent dans sa physicalité, avec toutes ces strates d'énergie, tous ces corps énergétiques qu'elle a, ce qui fait qu'elle est humaine. Aujourd'hui, incarnés dans la matière, ils veulent ça. Ils veulent s'en servir. Pour faire quoi?
J'ai le terme devenir. Oui, devenir. Devenir quoi? Comme elle. Ah. Devenir un être humain ou devenir comme elle. Avoir, en fait, ils n'ont pas tous ces corps énergétiques-là associés, en plus d'être dans la 3D. D'accord. On a des spécificités, l'être humain, que eux, ils n'ont pas. Bon, qui lui, c'est des incarnations en 3D, quoi, dans un oui. corps humain. Et d'ailleurs, le trou, en fait, l'aspiration et ce trou-là, ce vide, ils essayent, en fait, de construire leur corps. Et voilà. C'est ce qui génère le trou chez elles. Mais... Ils ont réussi, ils ont déjà des résultats ou pas? Non. Pas du tout. Ils s'y prennent pas comme il faut. Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle, la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Ça fait 5 incarnations. Comment est-ce qu'ils sont vivent la première fois? Elle est... Je la vois flottante, donc elle est désincarnée, en interincarnation. Oui. Elle a des énergies basses, mais je vois aussi qu'elle a été prédatée dans ses rêves, quand elle était incarnée. Ah. On est venu l'approcher dans ses rêves. D'accord. Pour que le jour de sa désincarnation, elle les suive. Elle soit habituée à leur présence, c'est ça? Exactement. Sous quelle forme elle les a vues dans les rêves? Des formes d'anges ou de guides, d'anges gardiens, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle les a perçues à sa désincarnation? Oui, exactement. D'accord. Ils lui ont proposé quoi? De l'accompagner, mais de l'aider, puisqu'elle ne se sentait pas bien. Ok. Alors, quand tu dis qu'elle était en basse fréquence, quel type d'émotion elle avait à ce moment-là? Elle était malade, elle était dans des douleurs. Tu veux dire avant la désincarnation? Oui. Donc, malade elle était de dans quoi? Des... J'ai le cœur qui me vient. Elle avait un problème au cœur. Une sorte de... Je ne sais pas si c'était un cancer, je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord. Cette maladie, elle a été provoquée par eux ou pas? Non. Non. C'est naturel, ce phénomène naturel. Bien. Donc, est-ce que c'est en lien avec son problème de cœur aujourd'hui? Oui, je vois. Bien. Ok. Donc, il lui propose de l'aider, elle les voit sous forme d'ange, de guide, d'ange gardien, etc. Et une fois accepté, une fois le consentement obtenu, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils la capturent, ils la mettent dans le vaisseau. C'est tout. Après, ils la renvoient dans les incarnations et puis ils peuvent la suivre de là, comme un radar. D'accord, ok. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Christine prennent conscience et connaissance de cette supercherie et surtout de leurs conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Bien, alors combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 15. 15? Voilà. Ça a coupé un peu. Oui, 15 vies humaines. D'accord. Ok, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette grosse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une sorte de planète ressource, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Ouais, bien sûr. Avec des arbres, mais ce ne sont pas des arbres comme on connaît sur Terre. Ce sont des arbres blanchâtres, des énergies avec d'autres fréquences en fait que l'on ne connaît pas sur Terre. Donc ça a une couleur blanchâtre, nacrée. Ouais, c'est ce qu'elle représente. C'est entre la cinquième et la sixième dimension. On aurait dit entre ces deux dimensions. En fait, je perçois des arbres en cinquième et des arbres en sixième. Donc, on aurait dit que ça se chevauche. Ok. Et donc, c'est une forme qu'elle a, une forme qu'elle a endossée, c'est ça? Et là, elle existe sous forme de cet arbre?
Oui, parce que j'en vois plein d'autres Elle aussi. est où cette planète? Elle est dans une autre constellation, en fait, je dirais, dans un autre univers. Alors, un autre univers, d'accord. Oui. Ok, c'est pas le nôtre. D'accord. Non, je ne connais pas. Ok. Elle a une fonction particulière sous cette forme d'arbre? Il y a le terme création qui me vient et Ouais. amplification. Ça amplifie les énergies. Oui, les énergies, les énergies, les dimensions. Il y a le terme d'amplificateur, en fait. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Je vois un être humanoïde qui la récupère ou qui lui demande si elle est d'accord pour venir avec. Mais je la vois prendre l'arbre en fait. D'accord. Donc je la vois emmener et c'est un être humanoïde de cinquième dimension. J'ai le terme Vénus qui me vient. Ça me vient souvent d'ailleurs ce terme. Ouais, Vénus. c'est C'est souvent souvent Vénus avec Vénus, toi. ouais. Ouais, Avec je toi, sais c'est pas souvent pourquoi. Vénus. Ouais. D'accord. Donc, il vient de Vénus. OK. Et Et qu'est-ce qui il se passe? connaissait en fait cet univers où il y a justement ces planètes ressources. Bah, c'est comme si c'est encore une fois, c'est vrai que je dois être en lien, je ne sais pas pourquoi, mais ces êtres humanoïdes sont planifient en fait aussi la construction de la planète. Donc je les vois en fait aller par des sauts quantiques, aller dans d'autres univers, chercher ces genres de planètes-là où il y a du végétal. Par exemple, en l'occurrence, c'est ce qui concerne Christine. Il planifie la construction de la planète, mais de quelle planète tu parles? Des planètes, là en l'occurrence c'est la planète Terre, puisque j'ai vu la planète Terre, parce que je suis en lien, mais aussi sur d'autres planètes du système en fait. Donc, il vient de Donc là, ils chercher sont. des espèces végétales pour les Oui. implanter dans l'espace terrestre, c'est ça que tu veux dire? Là, oui. En fait, j'ai vu cet être humanoïde dans cinquième dimension autour de Vénus, dans Vénus. Je le vois partir chercher des sortes de planètes ressources et s'en servir pas que pour la Terre, mais aussi pour d'autres planètes du système. Déjà pour eux, pour Vénus. Il y a eu aussi Mars à un moment donné, bizarrement. D'autres planètes du système. Et là maintenant, ce qui concerne en tout cas Christine, en termes végétal, je la vois en fait se déplacer vers l'espace terrestre avec cet être humanoïde et son accord. D'accord. Donc, il déplace sa conscience chargée de l'information d'une espèce, on va dire, végétale, c'est ça? Oui. Et alors, une fois, on est à quelle époque là? La matrice existe ou pas à ce moment-là? La Non. fausse matrice? Non? Non, je ne D'accord. vois pas. C'est Et clair. lorsqu'elle va sur Terre, elle est en quelle dimension la Terre à ce moment-là? Entre la cinquième et la quatrième. Est-ce que Donc là, la 3D existe ou pas? non, pas encore. Ah d'accord, donc elle est encore en état éthérique. Oui. Et en fait, je vois la conscience de Christine se déplacer comme elle amplifie les énergies. Justement, c'est pour construire la 3D. En fait, je la vois passer de la cinquième à la quatrième. Donc, on l'implante. On est en train de l'implanter. Et ensuite, elle doit construire cette 3D D'accord. en densifiant. Il y a le terme amplificateur qui me revient. Donc, je ne sais pas quelle chimie ils font, en fait, pour pouvoir Je dirais ensuite en. alchimie. Ou alchimie, oui. Exactement. Pour en densifier après la 3D. Mais là, ça se fait lentement, la construction, j'ai l'impression. Il y a un Oui, espace-temps, en fait. des éons, comme on dit. Ouais, c'est lent. En tout cas, il y a Bien. une construction lente qui se crée. Est-ce qu'elle prend une forme particulière? Est-ce qu'elle prend une forme végétale ou elle reste en conscience dans l'espace terrestre pour diffuser l'information? Pas pour l'instant, pas tout de suite, oui.
Elle n'est pas dans une forme végétale tout de suite. Okay. C'est après. Donc là, elle infuse par sa présence information et énergie, c'est ça? Exactement. D'accord. Okay. Donc si tu avances dans le temps, à quel moment tu arrives à sa première incarnation, manifestation en 3D? Déjà, est-ce que c'est en humain ou pas? La première manifestation en 3D sur Terre? Non? Non, elle n'est pas manifestée en humaine tout de suite. Alors, la première manifestation, c'est quoi? Elle est sous forme animale. Quel type d'animal? De son consentement, d'ailleurs. Des types mammifères. Des types mammifères, je ne sais pas, j'ai comme une sorte de taureau. Sorte de quoi? De taureau, j'ai dit, mais c'est plus gros. Donc peut-être des mammouths, je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord. Des mammifères de ce style-là. D'accord, donc là, c'est ce qu'on appelle préhistorique, quoi. Oui. Hein? Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a jusqu'à la forme humaine, elle endosse combien de formes comme ça, de manifestations autres que humaines? J'ai moins 70 formes animales. Ok. Et la dernière, c'était quoi, cette dernière forme animale? J'ai une petite forme animale. Oui, quel type? Je vois quatre pattes, je ne connais pas. Ça ne me vient pas. On est encore dans des époques préhistoriques, c'est ça? Oui. D'espèces qui ont disparu aujourd'hui, c'est ça donc que tu... Oui. Oui, parce que en fait, j'ai l'idée, ce qui me vient dans l'information, c'est qu'elle endosse plusieurs formes animales pour les manifester, en fait, comme il y a une sorte de création. Comme elle a créé, elle a infusé déjà des énergies au niveau végétal, mais aussi en endossant et en se manifestant dans ces formes animales-là, on va dire premières ou originelles. C'est comme si elle y mettait ses énergies de création, en fait. D'accord, ok. Alors, la première manifestation humaine, c'est à quel moment et de quelle manière? Quand la fausse matrice s'est installée. Ah, bah oui. Elle a été, je la vois, aspirée, en fait. Je veux dire, à une désincarnation, elle est aspirée à ce moment-là, c'est ça? Oui. Sa dernière forme animale, elle est aspirée par la matrice? Oui. Par les roues d'incarnation? Oui. Ok. Donc, ce n'était pas un choix personnel d'endosser la forme humaine? Non, pas tout de suite. Ah. Okay. C'est comme s'ils avaient détecté aussi sa présence. Parce qu'elle était à la fois l'animal, mais à la fois elle était conscience aussi. Hmm. Comme elle était dans l'énergie de création. Donc ils ont détecté sa présence et elle a été comme aspirée et ensuite mise dans les roues d'incarnation, comme recyclée, on va dire. Oh, ok, bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus donc, dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, si tu la scannes encore, est-ce que tu vois des choses qui n'ont pas été vues, puisque finalement, tu n'as pas vu beaucoup de dispositifs. Est-ce que tu vois des dispositifs, à part ces tuyaux? Non, je vois les tuyaux du crâne tout le long, non. Ouais. Et juste le trou. Et elle est désancrée, elle flotte dans l'air, c'est tout ce que je vois. D'accord. Alors vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Dis-moi si tout son ADN est issu de son essence, et s'il a été trafiqué ou pas. C'est son essence. Il n'a pas été trafiqué, non. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle, au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles se sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, quelle est la première que tu vois là? Les hybrides, petits gris. Gris reptiloïdes, ok. Ensuite là. Et le reptilien en commande, dans le vaisseau mère. Ouais. Ensuite là. Il y a des opportunistes, il y a des entités démoniaques qui appuient sur des failles émotionnelles. Quel type de failles émotionnelles?
C'est comme si le terme cogiter qui me vient, c'est que c'est comme si le mental avec les émotions se mettait à cogiter, à cogiter, à cogiter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a une fatigabilité, un stress aussi, en arrière-plan il y a de l'anxiété, il y a de la tristesse aussi de ne pas arriver à sortir de cet état-là. Il y a de la colère, beaucoup de colère d'ailleurs, qui en découle. Ok. Alors, qui vois-tu d'autre? Il y a les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Ok. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord. Tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, dans toutes les boucles, toutes les couches, évidemment, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Donc, Christine se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité. Et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Christine à présent? C'est comme si on avait recollé les morceaux, qu'elle se sentait entière, ancrée. Ok, donc il n'y a plus le trou. Non. Parfait. Maintenant, je veux que tu regardes comment réagissent ces entités. Elle tente de recréer des brèches avec des énergies, des sortes de filets. Ok, alors on va toutes les bloquer sur tous les plans. 1, 2, 3, comme un arrêt sur image. Oui. Parfait, maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Bien. Maintenant, vérifie la bulle énergétique de Christine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces énergétiques. Donc, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois un arrière-plan. Oui, je vois comme encore une trace en fait. Alors pourquoi est-ce que malgré toutes ces affirmations, il en est resté une trace? Qu'est-ce qui manquait? Le radar, je sais pas, pourtant. Ah! Alors quand tu parles de radar, ça t'amène à quoi? À d'autres, on va dire sur d'autres lignes de temps, je sais pas, ou d'autres sauvegardes. C'est comme si au loin et en arrière-plan, je voyais des déploiements de lignes avec le Ok. radar. Bien, donc on en arrive à la prochaine question. Est-ce qu'ils ont des moyens de la retrouver et de la repérer? Là, oui, Voilà, avec le bien. radar. Tu parles de combien de lignes de temps là? À 5. Au sein de chacune, dans combien de dimensions? Il y en a 4. Voilà. Alors tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces.
Oui. Voilà, vérifie maintenant si sa bulle énergétique est parfaitement propre. Oui, il y a un soulagement là, oui. Voilà. Est-ce qu'ils ont des moyens de la retrouver, de la repérer? Non, là je vois pas. Ok. Pas de sauvegarde, rien de dissimulé. C'est parti avec le radar. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morentiel en observation. Comment tu vois son âme? Elle se fait encore toute petite, anxieuse. Et sa partie subliminale. Elle tente de se restabiliser, mais je dirais que c'est mieux, ça va mieux pour elle, déjà. Bon, on n'a pas terminé, c'est sûr. Donc, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace Morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Christine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle aime. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons, en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont les projets pour la vie de Christine. De vivre pleinement cette incarnation, connectée avec toutes ses parties d'elle-même et en communication sereine. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Quel programme uniquement pour cette existence? Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est coupé en deux, il y a des énergies différentes des deux côtés, des deux polarités, masculin et féminin. Ok, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça déconnecte les polarités entre elles. C'est-à-dire le masculin et le féminin, ils sont déconnectés. Il n'y a pas d'échange de communication claire et saine. Voilà, à Comment peu est-ce que près tu vois que ça ça. impacte particulièrement donc Christine? Elle a un déséquilibre de polarité masculin-féminin. Ça se traduit comment dans son quotidien? C'est pas, il n'y a pas de clarté en fait dans les échanges avec le masculin. Il y a un côté en fait, le masculin qui est beaucoup plus lourd, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait des mémoires, je ne sais pas comment expliquer mieux. Et que le côté féminin était beaucoup plus léger. Donc c'est dans ce sens-là le déséquilibre. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière là? 43. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, bien après, au sortir des roues d'incarnation, je vois des entités démoniaques qui se sont amusées avec cet arbre-là. À le déconnecter justement, à le couper en deux au niveau énergétique, au niveau des polarités. Ok.
Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine pour sortir du champ de perception de ces entités. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Et toutes les consciences, bien sûr, qui y sont accrochées. Elles se libèrent, elles se reconnectent déjà entre elles, beaucoup moins lourdes d'un côté, se rééquilibrent entre les polarités et recommuniquent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte, Christine? Elle se rééquilibre dans ses corps, dans sa physicalité aussi. Il y a un rééquilibrage qui se fait et une communication qui est en train de se créer entre les deux polarités. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience pour toutes les âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 19% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Bien, maintenant, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu envoies en arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Donc, elle le remplace, elle le recrée à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate, compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? J'en vois 6 et il y en a 5 de connectées. 5 de connectées, c'est ça que tu as dit? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux connecter la 6e? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va ancrer sa base énergétique et la renforcer. C'est fait. À présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine, de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu envoies d'autres en arrière-plan. Non, c'est bon. OK. Alors, est-ce que tu vois des programmes plus spécifiques liés au manque? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. À la limitation. Oui. Idem. 1, 2, 3. À l'oubli. Oui. Oui, il y a l'oubli. 1, 2, 3. À la peur. Oui. 1, 2, 3. Oui. Limitation des capacités. Oui. 1, 2, 3. L'estime, la valeur et l'image de soi. Oui. 1, 2, 3. Voilà, maintenant vérifie s'il reste de tous ces programmes quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon, tout est parti. Alors, je me sens soulagée. Voilà, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est connectée à la source à ce moment-là? 84%. Donc, elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu en général, on ouvre un grand portail dimensionnel et que tout soit donc effacé et coupé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Et je vais conseiller à Christine d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. On va y arriver. Oui. Bien. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Christine, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri.
Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le jeu dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'abondance, d'amour, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui.
Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, c'est bon. Alors, elle entre dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique, en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit l'époque, l'origine et la nature. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation de noyau de sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde de couleur bleu-violette, puissante, qui englobe tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante, haute en fréquence, descendant le long de la colonne vertébrale, réinitialisant, reliant entre elles les vertèbres et les organes associés. Arrivée au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres de mémoire traumatique. C'est fait.
Alors, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes énergiques nécessaires issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun d'eux, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique, oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe et système associé, créer des résonances dans chaque tissu, tendon, cartilage, muscle, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle actionne des points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle ajuste à ses propres fréquences cette énergie toujours disponible. C'est fait. Et le tout dernier, la fascia thérapie. Rééquilibrage des fascias, étirement, élasticité des tissus et des articulations. Là, je retrouve le système respiratoire. Voilà, c'est fait. Bien, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est fait. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon.
C'est bon. Alors, les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais compressité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Stabilise. Regarde cet endroit en arrière-plan. Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons nous occuper des programmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, on va utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on va passer en revue les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et ensuite on aborde les points. Donc déjà, globalement, en regardant tous les systèmes, que vois-tu qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement, des programmations de compensation de l'élémental, des programmes de réaction de l'élémental du corps physique. Bien, alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie si tu envoies en arrière-plan. Non, c'est bon. Voilà, donc je ne te le demanderai plus. Donc que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder maintenant le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement de l'élémental. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes, chacune des parties et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder maintenant la glande pinéale avec la production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 38%. 38%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de compensation de l'élémental et de réaction aussi. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui.
À présent, tu vérifies l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui, rééquilibré. Alors, allons-y. Oui. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en cascade en une seule fois jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Vérifie juste en arrière-plan si tu vois qu'il y en a d'autres à faire. Non, c'est bon. Ben, je ne te le demanderai plus. Donc maintenant, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem en cascade. 1, 2, 3. Oui. Toujours système neuronal, les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et les systèmes de communication. Vois-tu pour chacun des reconnexions à faire? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu là aussi? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système ORL, visuel et respiratoire. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Bien, maintenant les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Vois-tu, là aussi, qu'est-ce que tu vois à éliminer pour chacune, chacun? Il y a des traces traumatiques et des programmations de réaction et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Et que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser tout ce de l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des empreintes traumatiques, des programmations de fonctionnement de l'élémental. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va pouvoir aborder les points à présent. Donc, la valve mitrale qui a eu des problèmes. Voilà. Donc, il se sera aggravé apparemment par le port du masque. Elle a été menacée d'opération. En tout cas, qu'est-ce que tu vois au niveau cardiaque? Alors, dans l'ancienne, je sais pas si c'est l'ancienne, de temps, son ancienne situation, en tout cas, je vois au niveau de sa situation avec le trou au niveau de la poitrine qui déconnectait la circulation normale. Et avec un côté, je dirais le côté gauche, l'énergie beaucoup plus lourde que l'autre côté, en fait. Donc, il y avait un D'accord. déséquilibre. Ok. Bon, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout ça? Là, il y a des mémoires traumatiques liées à ça et des programmes de réaction et de compensation de l'élémental. Alors, est-ce que l'élémentaire a remarqué que la situation a changé? Oui, justement, je voulais rajouter quelque chose parce qu'on a fait tous les systèmes là jusque-là et je sentais comme si mon corps, ma matière était en train de se reconnecter avec toutes les corps énergétiques. Donc, j'ai l'impression d'être beaucoup plus entière. Donc, oui, l'élémental a bien remarqué, oui. Ok, donc on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit être. Oui. Comment est-ce que tu vois son système cardiaque à présent?
des fluides. J'ai l'impression de mieux respirer aussi, plus amplement. Ça circule correctement. C'est équilibré. Alors, voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des allergies comme un rhume des foins lorsqu'elles changent de région? C'est lié à sa sensibilité. C'est comme s'il y a une sensibilité de, comment je vais expliquer ça, d'un lien, comme si elle se séparait de quelque chose à chaque fois qu'elle changeait de région. D'accord. Comment je peux expliquer ça? Ça a une sensibilité si Elle le ressentait comme une rupture, c'est ça une... Oui, ouais, ouais, comme une séparation. Ouais. Une séparation? Il y a des mémoires de séparation? Oui, c'est ça. Ça ramène à ça... qui? Ça ramène, je vois le lien avec sa mère, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je vois pas forcément sa mère à elle, mais des liens mère-fille, dans les polarités en tout cas. D'accord. Okay. Il y a quelque chose avec les polarités et la séparation. Ouais. Bien. Donc, à part ces liens, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Là, c'est des habitudes de fonctionnement de l'élémental, enfin, des programmes... le fonctionnement et des mémoires traumatiques hein, liées à ça. Ok, donc elle va couper tous les liens jusqu'aux racines et bien sûr éliminer tout le reste dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle en active tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa nature essentielle, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure. Comment la vois-tu à présent? Je la vois bien, elle est stable. Il n'y a plus de sensibilité. J'ai le terme réparation. J'ai comme le terme réparation. Ok. Alors, on va dans une situation où elle doit changer de région et dis-moi comment elle le vit. Ça se passe bien. Il n'y a pas de mémoire qui s'active, en tout cas. Elle respire bien, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle situation lui fait ressentir par rapport à l'ancienne? Du soulagement, je dirais. Il y a un soulagement intérieur. Et un bien-être aussi qui s'installe du fait de changer de région et que tout se passe bien. Et de la joie, bien sûr, et du plaisir à vivre dans cet état. Voilà, il ne faut pas l'oublier celui-là. Très bien, quel premier temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme et son soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien, donc elle a une scoliose et ça depuis son divorce. On regarde qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, elle ait eu cette scoliose. Alors, la scoliose, à la base, c'est la compensation de l'élémental dû à son ancienne situation. Il y a des tuyaux, en fait, qui est relié dans tout son squelette. Et dans son dos. Hein. Et au niveau de la période du divorce, en fait, j'ai observé une baisse de fréquence, en fait, de son état général. D'accord. Donc, ça a accentué... je ne sais pas, ça a accentué en tout cas son état général dans ses basses fréquences et ça a amené à amplifier la scoliose quoi, qui était déjà là, sous-jacente. Donc certainement avec une perte d'énergie, etc. C'est ça. Ok. Bon, alors qu'est-ce que tu vois qu'il reste de tout ça maintenant à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps?
Là, il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations, d'habitude de fonctionnement de l'élémental, de compensation et aussi de réaction. Alors, on élimine tout ça dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. On va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et routissé. Oui. Et on invite son élémental à faire ce qu'il faut, installer une programmation pour tout remettre en place. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. En incluant, bien sûr, des énergies spécifiques si nécessaire. C'est bon, c'est en train de se faire. Parfait. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à avoir un chez elle? Regarde, ou dans cette situation qu'elle a évoquée. Alors, j'ai eu le terme instabilité qui m'est venu et j'ai vu énergétique. Ouais. Son instabilité énergétique. Voilà, en général. Elle est due à quoi? Qui est le fait qu'elle soit déjà pas ancrée, donc pas stabilisée, et due à son ancrée dans son ancienne ligne de temps, de son ancienne situation. Il y a aussi quelque chose de lié avec l'arbre généalogique, avec les polarités. Comme s'il y avait une sorte de croyance qui est installée, comme quoi les femmes ne peuvent pas vivre sans l'homme, en fait. Comment expliquer ça? Comme avant, en fait, c'était le mari et la femme, elle pouvait pas. Elle était sous responsabilité du mari. Quelque chose comme ça. C'est une croyance, en fait. D'accord. Bon. Bon, en ce qui concerne la lignée, est-ce que c'est résolu ça avec ce qu'on a fait tout à l'heure? Oui, tout à fait, parce que j'ai vu le lien se dissoudre. Ok. Et en ce qui la concerne, elle, qu'est-ce que tu vois qui reste au milieu? Là, c'est des mémoires traumatiques. Des croyances aussi, liées à ça encore, qui est présent. Et des programmations liées à cette croyance. Et pour sa situation énergétique, c'est des programmations de fonctionnement. Ok. Alors maintenant que la personnalité a pris conscience de ses croyances, elle va pouvoir les reformuler, les reprogrammer. Et bien sûr, on va éliminer tout le reste dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, tu vois autre chose à faire par rapport à ça? Non, c'est correct. Elle va s'installer une programmation. Donc, d'accord. Toujours en conscience et connaissance de la connexion avec la source. Ça, c'est la clé. Mm-hmm. Oui. En sentant sa nature essentielle. Elle va s'installer une programmation selon laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible, que toutes les portes lui sont ouvertes, et que tout lui vient facilement, joyeusement et agréablement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà. Donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant dans ses perspectives futures de co-création personnelle dans ce qui lui convient le mieux? Elle se sent alignée, stable. C'est correct, tout est juste, c'est ce qui me vient. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a de la joie là, qui en découle. Et il y a beaucoup de plaisir aussi à expérimenter. Alors là aussi, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soin supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 6 juin 2007 où, au travail, elle s'est vue partir, donc en état de conscience modifié, entourée d'or, avec un sentiment d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, ça m'active le chakra du cœur. Il s'est passé quelque chose au niveau de son chakra du cœur. Ouais, tu vas regarder quoi? Euh,
Alors, c'est assez bizarre, je vois comme des fils d'or, des liens venant d'en haut. Voilà, donc il faut juste que je remonte un peu, parce que ça ne me semble pas le soi supérieur. Ah, alors regarde d'où ça vient. C'est, on aurait dit, c'est très bizarre, j'ai l'impression d'apercevoir une sorte de vaisseau, quelque chose comme ça. Mmh, ben vas-y, là à l'intérieur. Je sais pas si c'est une interférence ou... Regarde, tu vas dans le vaisseau, bien sûr avec ton voile d'invisibilité, et tu regardes qui sont les occupants. Je vois des sortes d'humanoïdes. Mmh. Ils viennent d'où ceux-là ? Humanoïdes d'Orion, enfin, c'est ce qui me vient. Ah. D'accord. J'ai l'impression voilà, qu'on lui envoie exprès ces énergies-là. D'accord. Regarde de quelle espèce ils sont, ces humanoïdes. Type reptilien, reptiloïde. Ah, mais avec une... Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Yeah. J'allais dire avec une essence humanoïde, une essence humanoïde humaine. On aurait dit qu'ils ont été un peu les précurseurs aussi. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça alors? C'est quoi ces liens d'or? Là, c'est... Ouais, là, ils envoient, en fait, ils infusent une énergie, une certaine énergie pour la mettre en, comme elle dit, en conscience modifiée. Donc, ça a augmenté ses fréquences. C'est comme pour la connecter à eux, en fait, ou pour lui infuser, lui dire regarde ce que c'est que l'amour sans condition, regarde ce que ça fait. Et hop, ouais. Ça permet à elle de se connecter à eux, en fait. D'accord. Pour, pour qu'après. Après, c'est plus facile pour eux d'en soutirer de l'énergie ou de la manipuler, quels que soient les aléas de sa vie, okay. Ce que je vois. Et cette énergie d'amour, alors qu'elle a ressenti, d'où est-ce qu'ils l'ont tirée? C'est sûrement pas d'eux. Non, parce que ça sort d'une machine. Donc, ouais. Je sais pas, c'est quelque chose qui était transformé, on aurait dit. Regarde d'où vient l'énergie. C'est juste pour l'information, moi je sais pourquoi, mais. Moi je vois juste un rouleau qui sont en train de dérouler. C'est une fausse énergie en tout cas qui est créée. Regarde d'où vient l'énergie qui passe par cette machine. Alors j'ai l'impression que c'est tiré de son soi supérieur. En fait, je vois comme quelque chose qui est une énergie qui est tirée d'une ligne. De temps, enfin je sais pas si d'un canal et qui passe dans ce rouleau là pour être infusé. Elle est tirée de son soi supérieur, tu es sûr? Regarde de la elle... source. De la source? Ils tiennent l'énergie de la source avec leur technologie? Ouais, une partie en tout cas, c'est pas l'essence. Je vois que c'est dévié en tout cas. C'est pas l'énergie de sa source, ça c'est sûr. Mais eux, ils ont. Mais elle reçoit pas de l'énergie de sa source. Eux, ils puisent dans différents canaux, en fait, comme je vois l'énergie voilà. Qui est déviée. Regarde d'où viennent ces canaux. Regarde leur origine. Ah, je me situe dans un vaisseau. Je vois pas l'origine. Je vois que c'est dans cette machine-là. D'accord. Toi, tu vois que la machine, avec l'énergie qu'elle traite. Mais si tu reviens... Tu reviens en arrière, regarde d'où elle puise cette énergie. C'est important de le savoir. Ça, c'est pour l'information. Je vois d'autres êtres. Des autres d'anges, je ne sais pas. Ah bon ? C'est pas des énergies de la source, hein, mais je vois comme si il devient en fait un canal. C'est tout ce que je vois, Pascal. D'accord. Alors, j'arrive si pas à voir ce que tu me demandes. Alors, je vais te donner un indice pour que tu vérifies si c'est ça ou pas. Est-ce que c'est tiré d'un collectif humain ou pas? Alors, c'est pas forcément le collectif, mais je vois que ce sont des êtres, en fait, qui en récupèrent cette énergie et qu'après, ils dévient. Donc, ça fait comme un égrégore quand tu as parlé de collectif. Voilà. Je vois des êtres humanoïdes gérer cet égrégore, en fait. D'accord. Et c'est de ce canal, et je vois le canal en fait qui est dévié et qui va dans les roues. Voilà. Donc oui, on peut dire que c'est le collectif, même si je ne voyais pas tout de suite que c'était les humains.
Et je voyais des êtres gérer ça. De quelle nature sont ces égrégores? C'est des égrégores de nature religieuse, spirituelle ou d'autres formes? Ah oui, c'est religieux et spirituel. Il y a de tout dedans. Ok. Voilà. Dès qu'on parle d'amour sans condition, plus voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est pour ça que, parce qu'il faut bien que les gens comprennent, même s'ils ressentent de l'énergie d'amour, ce qui peut être très fort, hein, ça peut être très, très bluffant. C'est confondu. C'est confondu avec le soi. Voilà, le collectif humain, ça vient du monde archiavélique. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement là où j'étais. Bien sûr. Voilà. Okay. Ok, donc c'est New Age, c'est religieux, c'est spirituel, c'est tout ce qu'on veut. Ils font feu de tout bois pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ok. Et voilà, oui, pourquoi ils ont créé. Comme de l'amour. Oui, c'est eux qui l'ont mis dans cet état-là. Ouais. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, ici et maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a des choses à éliminer ou il y a des conséquences ou pas encore? Oui, il y a encore des liens. Des liens aux égrégores, tu veux dire? Oui, des liens aux égrégores ou des liens liés à cette situation-là aussi. Des fils d'or. Ok, ben elle va tous les couper, elle n'en a plus besoin. Ok, donc elle les coupe tout et bien sûr dissout les racines dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà, et maintenant elle peut, toujours en conscience de la connexion avec la source, elle peut ressentir, commencer de ressentir l'amour, c'est-à-dire sa véritable essence. Oui. Commencer. Toi-même, tu peux t'y connecter pour le ressentir. Comme ça, tu vas me dire comment tu le ressens. C'est neutre, j'ai envie de dire. On ne peut pas y mettre de polarité dedans. Hmm. C'est une espèce neutralité. De compétude. Une compétude. Voilà, c'est sain. Il y a le point zéro. Sérénité. C'est le point exactement. Zéro. Hein? Exactement. Voilà, ok. Très bien, alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le télécharge en toutes ses parties, comme précité, donc jusqu'au soir supérieur. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, je n'ai pas posé la question à Marilène, je devrais le faire à chaque fois, mais si elle est connectée ou si elle sollicite des guides, des maîtres, des anges, archanges, etc., le mieux c'est d'y renoncer. Et de puiser directement à sa propre source et rien ni personne d'autre en le précisant. Parce qu'autrement, on s'expose à tout ce genre de système qu'on appelle archaïque de prédation, qui profite de notre vulnérabilité, notre ignorance et notre énergie. Voilà. Donc, quand on cherche à l'extérieur de soi ce que l'on a en soi, on s'expose forcément à toutes ces prédations. Alors, maintenant que c'est entendu et compris, enfin, je pense. Donc, on va regarder. Oui, cet événement avec son chien donc, qui a été percuté par une voiture. Voilà, et bon, dans une situation particulière qu'elle a évoquée. Regarde ce qui s'est passé avec cette voiture. Je vois comme une énergie sombre qui traverse le chien. Comme un lien, quelque chose de comme si on avait provoqué en fait. D'accord. Et le conducteur du véhicule ou la conductrice, comment tu la vois, le ou la? Il y a des entités démoniaques, mais j'ai l'impression que tout ça conspirait pour la toucher elle à Christine. Voilà. Et oui, c'est pour créer un choc. Le... Oui, exactement. Voilà. Alors, maintenant qu'elle le comprend, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et des programmations. Et des programmations de réaction liées à ce trauma. Ok, allez, on élimine tout ça sur tous les plans que précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Elle va retrouver son équilibre et sa joie d'être avec la connexion avec sa source. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise.
Oui. Et pour son information, le chien, il est où maintenant? Avec. Enfin, il est avec son âme groupe. J'ai l'impression de le voir avec d'autres. Ah oui, c'est ça. Bon, est-ce Il qu'il a est souffert? bien. Il a souffert de la situation? Je dirais pas souffert, mais j'ai eu la sensation, le terme du pardon. Je ne sais pas si c'était Christine ou si c'était le chien. C'est assez en général entre les deux. Mais il est bien là, en tout cas. Parfait. Voilà, c'est souvent ce qui se passe hein, quand les gens se posent la question. Les animaux retournent souvent à l'un groupe, ils sont pas, ils n'ont pas la structure mentale comme nous qui nous dévie de nos sources. Ok, alors donc, à propos de son deuxième fils qui vit des moments difficiles, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Bon, il pense que son frère aurait abusé de lui. Et puis son père d'ailleurs a aussi quelques difficultés. On ne va pas travailler sur eux, mais jette un œil et dis-moi quelle information tu as sur son fils et éventuellement le père. Alors j'ai vu tout de suite pour son fils, il y a des entités présentes, des entités démoniaques qui sont sur lui et qui puisent son énergie. Et effectivement, j'ai vu comme une sorte de trous, de cercles sombres, là au niveau de ses chakras, plexus et cœur, où quand tu as parlé d'abus, ça m'a ramené à une mémoire dans l'arbre. Donc, c'est pas lui, en fait, qui l'a vécu, mais, pardon, c'est que j'ai des décharges électriques, ça me renvoie directement à l'arbre, à je sais pas, un grand-père ou un arrière-grand-père qui aurait abusé, mais je vois pas dans quelle génération, en tout cas. D'accord, très bien. En tout cas, c'est important de savoir ça. Mais il est lié, en tout cas. Bon, d'abord, qu'il reçoit cette mémoire. Cette décharge électrique, d'où elle vient, celle-là? Il dit que tu as reçu une décharge électrique. On a parlé de grand-père. D'accord, ok. Et d'où vient cette décharge-là? De la mémoire liée au grand-père. Oui, mais il y a une conscience derrière. Ben, j'ai l'impression que c'est les entités démoniaques, là. Et pourquoi elle t'a envoyé cette décharge? Pour ne pas avoir l'information, pour m'empêcher d'avoir l'information. Encore. Donc elles sont là autour de nous, là? Je ne les vois pas forcément présentes, mais c'est quand j'ai parlé de l'information, du grand-père, de l'abus, ça repart, qu'elles s'activent. C'est comme une sorte de, je sais pas, d'intelligence artificielle, dès qu'on parle de ça, dès qu'on est sur la mémoire, hop. D'accord, un automatisme. Très bien. J'ai pris de la hauteur, donc ça va. Ok. Donc, on va faire venir son fils. Voilà. Et puis, même son père. Ils vont venir ensemble, puisque je suppose que tous les deux ont... sont liés dans l'arbre. Hein? Voilà. Donc, elle va leur montrer le travail qu'elle est en train de faire, leur proposer à chacun de prendre conscience et connaissance de leur propre situation respective sur tous les plans. Oui. Comment réagit son fils? Et le père. Il est épuisé moralement, mais il est d'accord. Le fils? Oui. D'accord. Et le père aussi? Et le père, il suit. Bien. Donc là, il voit clairement maintenant ce qui se passe, les enjeux, tout ce qui a été dit, y compris pour l'arbre. Oui. C'est clair pour lui? Oui. Alors, est-ce que tu vois qu'ils ont besoin d'un coup de main ou ils peuvent faire le travail tout seul? Non, il faut un coup de main. Bien. Alors, on a leur autorisation? Oui, les deux. Bien. Alors, on va les connecter tous les deux à leurs propres sources pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchés en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour chacun d'eux? Alors, ils augmentent en vibration, là, ils augmentent ses fréquences. Donc, il prend de l'énergie, il se sent mieux. Et ils voient maintenant toutes les prédations, les entités. Ils comprennent tous les deux là, les liens transgénérationnels qui sont en jeu dans la lignée des hommes, dans la lignée de père en fils. Très bien. Donc maintenant qu'ils ont toute l'information, qu'ils ont toutes les capacités, hein,
et que leur est possible, ils vont pouvoir commencer le travail s'ils le veulent maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui. Ils sont OK avec ça? Oui. Parfait. C'est alors, bon. Donc, très bien. Maintenant, tu vas regarder le corps mental de Christine et toutes les programmations limitantes qui étaient là. On parle bien sûr d'anciennes lignes de temps, avec toutes les croyances qui en découlaient. Et comme des couches, des sortes de voiles imbriquées les unes sur les autres, compactes et denses, c'est limitant, c'est bloquant. Avec la croyance comme quoi elle n'a ni la connaissance et la puissance nécessaires pour passer par-dessus ces voiles, les traverser, tout simplement. Ok, alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Que de là où elle se trouve, elle peut sortir de cette réalité, augmenter ses fréquences et se dégager tous ses voiles devant elle, passer par-dessus, aller au-delà. Très bien, et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça à éliminer? Des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et maintenant, toujours sur l'ancienne ligne de temps, elle regarde son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sensations qui étaient en lien avec cette ancienne situation. C'est limitant, bloquant, ça cogite beaucoup au niveau émotionnel. Ça crée des frustrations, il y a de la nostalgie, de la tristesse qui en découle, de la tristesse de ne pas arriver à sortir de ces états-là, de la colère également, beaucoup de colère qui génère encore plus de frustration. Il y a des fuites d'énergie, et ce qui crée une mauvaise image d'elle-même, une fausse image d'elle-même. C'est bon. Bien, alors maintenant nous allons voir du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation, de devoir vivre comme ça, ce qu'elle n'a pas demandé et qu'elle se retrouve dans ces conditions-là. La partie physique se sent trahie par la partie supérieure. Elle se sent rejetée, abandonnée par la partie supérieure. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Ce qui en découle, c'est beaucoup de colère vis-à-vis de ces situations-là. Elle se crée des voiles de protection ou de défense pour lui permettre de maîtriser l'incarnation, pour essayer de se sentir mieux et de vivre au mieux. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures. Elle se limite encore plus. Et c'est très bloquant. Voilà. Bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, d'une ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu y fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il y a à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques. Il y a des programmations de fonctionnement. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention portée sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Christine à présent? Je la vois alignée, équilibrée, sereine, il y a beaucoup de joie et de plaisir qui en découle d'être dans ce nouvel état d'être.
Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Cette programmation a sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et déterminée de se rappeler, de garder en mémoire qui elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations, les circonstances, quelles que soient les incarnations, et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est une clé essentielle pour tout le monde. Bien, que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant que Christine? Il y a un bien-être général, un équilibre, une sérénité, une quiétude. Il y a beaucoup de joie et de plaisir par anticipation d'avoir à vivre dans ce nouvel état d'équilibre. Très bien. Quel prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer? Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent également ce sentiment de dignité et de légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même, et surtout, ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu maintenant, donc Christine? Sereine, alignée, un bien-être général. Il y a beaucoup de joie et de plaisir. Alors, ça va être le moment des invitations. À nommer ses deux enfants, avec leur père et sa famille, les deux parents, sa sœur et sa famille, la famille en général, les amis de cœur, les deux chats et tous les animaux donc de la famille et des amis qui sont conviés, bien sûr, pour la douche finale. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette, on va dire, opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Alors, pour tous ceux qui l'ont choisi, donc en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps,
toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Christine pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Bon, tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, on va passer au désincarné. À la nommer, celui qui a été son grand-père maternel. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan du moyen astral, dans sa propre énergie, dans sa propre bulle, il est bien. Bien, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu peux communiquer avec lui ? Oui. Alors tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent pour lui ? Il augmente en fréquence et il sort de sa bulle. Que choisit-il de faire à présent ? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté, voire plaisir ? Il veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Christine et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan physique en 3D ? Il y a une onde d'énergie de remerciement envers Christine et envers toutes les consciences qu'il a connues et croisées, et beaucoup d'amour aussi qu'il envoie. Bien. Alors, est-ce que tu peux lui demander, avant de remonter, s'il peut envoyer dans la lignée maternelle et paternelle de Christine des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui ? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Bien, maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, c'est bon. Bien, maintenant, ça va être le tour de la tante maternelle. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Il y a des énergies de basse fréquence qui la traversent. Elle se situe dans le plan astral. Elle est comme triturée, j'ai le terme qui me vient. Triturée, voilà. D'accord. Ouais. Triturée par qui, par quoi ? Elle se tient les mains à la tête comme ça, comme si elle avait mal à la tête. Donc ça n'allait pas. Donc il y a des énergies de basse fréquence qui la traversent. D'accord, ok. C'est elle qui structure l'esprit ou c'est de l'extérieur ? C'est elle. Ah, elle cogite, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle ? J'essaye, oui. C'est bon. Ouais. Donc, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent ? Elle augmente ses fréquences, donc ses mal de tête là, se dissout.
Elle sort de cette bulle d'énergie de basse fréquence. Ah ouais, elle se sent beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle va remonter à la source. Alors, dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Christine et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre en 3D? Oui, elle envoie beaucoup d'amour vers Christine. Elle dit aussi qu'elle n'était pas prête à partir et que c'est pour ça qu'elle n'était pas bien, en fait, désincarnée. Dans sa situation-là, elle n'était pas bien parce qu'elle n'était pas prête. C'est comme si elle n'avait pas fini quelque chose sur Terre. Donc, il y a beaucoup d'amour qui se dirige vers sa famille, vers la mère de Christine aussi, et toutes ses lignées. Voilà. Bien, et ben on va la saluer. Oui. On revient à Christine. C'est bon. Oui. Alors, est-ce que tu vois des liens toxiques? Oui. Donc, elle va tous les couper et dissoudre les racines dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Et dissoudre les racines. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies. Toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtil et physique. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Pardon. Est-ce que ça va? Ça bouge là au niveau énergétique. Je dirais au niveau là. Il y a une intervention extérieure ou c'est interne? J'ai l'impression que c'est extérieur par rapport au protocole. Oui, je sais pourquoi. C'est là où on va arriver maintenant. Regarde qui est derrière ça. Je vois des petits gris avec des casques en plus. Au service de qui? Un draco. Voilà. Bon. Pardon. Bon, tu ouvres un portail et on les vire tous. Allez, sur tous les plans. OK? Oui. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Ah oui, ça se calme. Regarde s'ils sont encore là. Je vois au loin, juste ça brouille au loin. Là, ça ne m'atteint pas, mais juste ça bouge au loin. Eh bien, de loin, tu vas ouvrir un autre portail et on vire également tout. On ne veut plus nulle part. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui, c'est bon. Bien. Regarde maintenant si tu as encore quelque chose. Oui, encore. Une ligne de temps, quelque chose comme ça. Bon, alors, combien t'envoies? 2. En arrière-plan. Combien de dimensions? 3. Allez, tu ouvres un portail. 1, 2, 3. Ça y est. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. C'est bon. Autre chose? Non, là, c'est bon. Alors, est-ce que c'est en lien avec le protocole qui va suivre? Ce qu'on a rajouté, donc, le dernier bébé du protocole,
le programme de l'oubli de la matrice. Oui, c'est ce qui me vient. Bah voilà, évidemment, ils ont anticipé. Ils ont anticipé, mais il faut reprendre celui juste d'avant parce que je ne l'ai pas bien entendu. Lequel ? Avant quoi ? Celui juste avant de celui-là. Je ne sais plus. Nanotechnologie. Après l'INSEE. Après l'INSEE, ouais. Ah, on reprend après l'INSEE ? D'accord. Enfin, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus après ce que tu as dit. Bon, toutes les parties du corps à l'extérieur, ça c'est fait ou pas ? Oui, ça c'est bon, ouais. Les parties du corps à l'intérieur ? Oui. Ok. Donc, et bien sûr, maintenant on arrive à la nanotechnologie. À l'intérieur, ouais, sur et autour d'elle. Donc là, ça ne les arrangeait pas. Un, deux, voilà. Trois. Voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. Alors, comme je le disais, et c'est sur quoi ils ont dû vouloir anticiper, c'est le programme de l'oubli de la matrice. Oui. Hein? Donc, nous avons donc découvert qu'à l'entrée de la matrice, que toute conscience qui y pénètre, à part dans un enregistrement, une espèce de disque dur hein, du système matriciel, comme un système informatique, et chacun d'entre nous est répertorié, etc. On est d'accord avec ça ? Oui. Alors maintenant, bien sûr, ça ne peut être que individuel. En ce qui concerne, bien sûr, Christine, est-ce que tu peux repérer toutes les parties qui la concernent ? Oui. Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois en arrière-plan. C'est bon. Il n'y a pas. Nous avons aussi vu qu'il y avait des codes de vie qui, dans cette occasion, avaient été inversés. Il s'agit donc des programmes dans l'ADN. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Est-ce que tu les vois là ? Oui. Alors, on les élimine également sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et nous avons vu également qu'à cette occasion, il y a des liens archontiques qui se tissent et qui se connectent. Tu es OK avec ça ? Oui. Tu les vois ? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tout est facile. Nous allons reconstruire l'information. Pour cela, en étant toujours en contact avec la source, elle fait descendre des énergies et des informations pour tout remettre en place, en ordre, en ce qui concerne sa mémoire, ses capacités, etc. Oui. Voilà. Comment tu la vois maintenant ? Là, c'est calme, serein, très bien, aligné. Donc, il s'agit là d'insérer le programme originel de la source. On est d'accord ? Oui. Alors, tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. C'est bon. Et nous avons vu également que pour que tout ça reste vivant, d'ailleurs comme pour tout le protocole, la personnalité doit bien sûr faire vivre tout ça, se reprogrammer mentalement et bien sûr éliminer toute pensée de suspicion, d'incrédulité, de peur, enfin, etc. Se programmer donc à l'idée que tout ça est réel, qu'elle le mérite, que c'est pour elle et que c'est déjà fait, que c'est complètement acquis et que rien ni personne ne peut faire remettre en question cela. Oui. Voilà. Et ainsi, tout ce qu'on vient de faire va s'intégrer et pouvoir se manifester dans toutes ces parties. Alors, ceci étant fait, maintenant, de son espace moronciel, elle va récupérer toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de miscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qui peut être activé à tout moment par l'intention. Oui. Voilà. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un implant, c'est juste une métaphore. Des fois que le mental mouline. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération.
Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double demi-scat activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 8 et de 6 activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et déployer de nouvelles énergies. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 14 mois. De 9 à 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un bien-être général, une sensation de légèreté, de sérénité et de stabilité dans les projets aussi. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sortes de décalages, de retour en arrière. Le mental ego, à ce moment-là, il se sent en insécurité parce que les anciens repères ne sont plus là et les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc, il va rechercher ce qu'il connaît par le passé pour les remettre dans le présent pour se sécuriser. Alors, il suffira à Christine de se souvenir de ce qui vient d'être dit et surtout, dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en se souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, en restant confiante et optimiste, elle soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail et plus courte pourra être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Tout ne dépend plus que de toi. Et pour soutenir toutes les parties de Christine, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent puissante. Il y a une puissance intérieure là qui se déploie, alignée, stable, confiance en elle et un bien-être général, avec beaucoup de joie et de plaisir à avoir à vivre dans cet état d'être. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer, de déguster. Oui. Et donc, elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme et son soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, des nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Donc, elle n'est pas vraiment chez elle, mais peu importe l'espace qu'elle occupe. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Je perçois des énergies liées à elle, des énergies de basse fréquence, liées à Christine. D'accord. Donc, c'est dû à l'ancienne situation, c'est ça? Oui. Regarde les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres?
Non. Ok. Alors, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer partout où c'est nécessaire, mémoire des murs, meubles, objets, etc. Elle nettoie tout partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur son compteur électrique qui est à Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par la suite, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants également s'ils le veulent, ainsi que les animaux. Oui. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune. Oui. Voilà. Et donc les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu vas programmer la sécurisation de toute la séance et de toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout point de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, elle installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, quel que soit son état et quelle que soit l'énergie, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à Oui. la source ou continuer son chemin. Oui, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et dans tout ce qui a été dit, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, la connexion, elle est directe, elle est claire et déterminée, de sa partie physique jusqu'au soi supérieur. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute? Que c'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion avec l'intention, la ferme intention et la confiance en ses propres capacités. Alors bien sûr, il suffira à Christine de se souvenir de ce qui vient d'être dit et surtout de le mettre en application. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est expansée, elle pétille, je la vois heureuse, en joie. Et sa partie subliminale. Elle s'est ancrée et stabilisée, proche de la partie physique. Elle est stable. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, elle l'aura compris. Et dans cette nouvelle version de Christine, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade
et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christine avant la séance et quelle est-elle à présent? De 59 et de 186 maintenant. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors maintenant. Alors, et toi, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Laetitia, ça va? Oui. Comment te sens-tu? Ça va, merci. Ils nous lâchent pas, ces dracos, hein. Dès qu'on parle de matrice, ils sont là, hein. C'est automatique. Bon, allez à nous, Christine, tu peux remettre le son, nous t'écoutons. Oui. Merci beaucoup. C'était très touchant. Je pensais pas être liée à des tas de tuyaux comme ça, franchement. On a vraiment une partie de, je sais pas comment la décrire, de nous qu'on ne voit pas, quoi. Et on porte des choses. Partie, hein. La partie physique, oui, c'est voilà, la plus oui. Petite expression de nous-mêmes. Hein. Oui, c'est vrai. Et justement, est-ce que vous auriez des livres à conseiller pour mieux comprendre ces différents plans? Ouais, ah oui. Déjà, on en reparlera, je te donnerai des liens éventuellement. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ça t'a parlé, tout ça, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu? Ça a oui, du sens oui. Pour toi? Surtout par rapport à mon fils, parce qu'effectivement, on nous avait parlé d'une mémoire cellulaire. C'est pour ça que du coup, on est désemparés, parce que bah, quand un enfant vous reproche des trucs et qu'il ne s'est rien passé, et que ça vient d'ailleurs, on est un peu démunis, en fait. Voilà, et on se rend bien compte que la dimension du soin, elle n'est pas que dans le physique. Il faut aller chercher ailleurs. Bien et sûr. Puis, je pense que grâce à vous, il va faire un chemin. Il a un chemin à faire, peut-être pour libérer ce trauma et libérer l'âme, peut-être, qui a causé ce trauma. Je ne sais pas. Bien sûr. Donc, une énergéticienne. C'est il y a une énergéticienne qui m'avait. Pardon? Grâce à. Oui, c'est surtout grâce à vous. Hein. Tout va dépendre de ce que vous avez. Déjà, ton ouais. Fils, est-ce qu'il va l'avoir cette vidéo? Est-ce qu'il va l'avoir? Pas tout de suite. Il sait que j'en fais une, voilà, d'hypnose, mais je ne pense pas tout de suite. C'est pas un peu tôt. Que moi, déjà, je la digère un peu, voilà, et qu'on puisse reparler des choses. On a déjà pu beaucoup reparler. Avec lui, donc c'est important en famille, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais c'est fou, quoi. Tout ce qu'on peut se trimballer, ben oui. Tu as senti les choses pendant le travail. Alors, quand vous parliez de la colonne, à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs là qui travaillaient, je sais pas. Dans ma tête, là, comme un nuage. Des fois, j'avais un peu mal. Des fois, j'étais bien. C'est voilà. Après, moi, je crois que j'ai des ressentis justement à développer, mais non, et oui, qui je pense était sûrement un peu bloqué par beaucoup de choses. Et puis, c'est intéressant de voir certaines âmes de la famille que vous contactez. Comme mon grand-père, que je n'ai pas connu, hein, mais apparemment j'ai une influence de lui dans ma vie. Voilà. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, tu as compris mon conseil. Je pense que tu connais mon oui. conseil, c'est de revoir ta vidéo du début jusqu'à la fin. Sachant ouais. qu'au début, il y a beaucoup d'informations, donc tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes.
Et dans ces moments de métabolisation où il sera peut-être inconfortable, tu verras, hein, tu refais ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là. Hein? Oui, Hein? ok. À bien avoir à l'esprit cette sécurité intérieure pour que tu puisses être tranquille pour faire la séance. Voilà. Et la revivre comme aujourd'hui, faire en sorte de la ressentir, t'approprier de toutes les affirmations qui sont données pour te reprogrammer, tu vois. Voilà, être vraiment complètement active dans le processus et non pas spectatrice. D'accord? Je comprends. Ouais. Bon, ben j'espère que j'aurai des nouvelles par mail, si tu Merci veux bien. beaucoup. Hein? Voilà. Merci à toi, Oui, merci à Laetitia, entendu. bien sûr. Et ta vidéo, je peux la publier, donc, comme on l'a dit? Oui, voilà, flouté Hein? avec Voilà. l'eau, avec On voilà. l'a dit. Hein? D'accord. Merci à toi. Donc, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Et j'attends tes nouvelles. Tu as bien compris que la balle est dans ton camp. Hein? Ok, et merci pour une référence de bouquin, ce sera gentil. Enfin, ok.